j'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Bravo, alors Jean-Baptiste, tu es heureux? Ton père n'a pas cessé de rire pendant toute la pièce. Tu as vu les comédiens de l'hôtel de Bourgogne? Eux, ils ont l'air fous. Mais tu t'es moqué d'eux. Attends-toi au pire. Mon Fleury bouillonne de rage. C'est formidable, hein, enfin du théâtre. Allez, ne soyez pas timide. Vous êtes provincial peut-être? Lâchez-moi, je suis Montfleury, comédien du roi. Et moi, je suis Maître Poquelin, le père de ce héros. Héros? Ce pantin? Je n'applaudirai jamais cette mascarade. Eh bien alors, sortez. Oh! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Puisque c'est ainsi, je resterai. Sortez, vous dis-je. Au secours! On m'assassine! Eh bien, le vieux, je crois que tu as besoin d'une bonne leçon. Espèce de lâche, attaquer un pauvre homme sans défense. Moi, sans défense? Vous vous trompez, jeune homme. Oh, oh. Vous aurez tous des nouvelles du grand Montfleury. La première des précieuses ridicules fut un véritable triomphe. Pendant ce temps, la cour du jeune roi de France était le théâtre d'une toute autre comédie. Je ne veux pas que vous m'attrapiez. Louis, nous ne sommes pas encore mariés. Un baiser, Marie, juste un seul. Auriez-vous déjà oublié les conseils de mon cher oncle? Votre royaume, oui. Un roi ne pense qu'à son royaume et à ses sujets. Oh, laissons là le royaume et le cardinal m'ennuie. Et puis de toute façon, tu es ma sujette. Ses yeux, Altesse, ne me dites pas qu'elle est encore avec le roi. Venez le constater par vous-même, cardinal. Laissez-nous, nous penserons à mes petites misères plus tard. Ce jeu devient trop sérieux. Votre nièce a tourné la tête du roi. Je lui avais pourtant interdit de revoir votre fils. Ma décision est prise. Je t'aime, Marie. Tu seras reine de France. Pourtant, monseigneur, j'ai ordre de vous fuir. Me fuir? Je rentre à La Rochelle ce soir. Ainsi le veulent votre mère et le cardinal Mazarin. Ma mère? Le cardinal? Mais qui est le roi? Qui est le roi de France? Je veux que vous restiez. Et quiconque entravera ma volonté sera chassé du royaume. Laissez-moi lui parler. Vous savez que je ne vous pardonnerai pas d'échouer dans cette affaire. Louis doit épouser l'infante d'Espagne. Sa Majesté a donné ordre de ne pas être dérangée. Oui, oui, je sais. Monsieur le cardinal, vous désirez me parler du royaume? Oui, Majesté, je ne veux que vous répétez vos devoirs. Je ne veux pas vous entendre. Majesté, je vous attends dans votre cabinet de travail. Pendant ce temps, à la rôtisserie des poètes, chez leur ami Ragueneau, Molière et sa troupe fêtent le succès des précieuses ridicules. Au triomphe de Jean-Baptiste! Au triomphe de Molière! Pas pour longtemps! Vive les précieuses ridicules!
des précieuses ridicules. Arrose, arrose poulet rôti et pigeonneaux, qu'il soit aussi moelleux pour ses fières mandibules que le furent pour ce pauvre Raguenaud la prose sublime de ses précieuses ridicules. Oh, Raguenaud, tu exagères. Ce sont tes rôtis qui sont sublimes. Ma pièce, elle... Votre pièce, une pitrerie. Pitoyable. Piteux. Que dites-vous de mon poulet? Délicieux. Eh ben, je vous l'offre. Je tenais personnellement à vous dire ce que je pense de votre pièce. C'est une pitrerie. J'en conviens, Montfleury. Mais encore? Une... Oui, une... Une pitrerie. C'est juste. Mais vous l'avez déjà dit. Eh bien, je vous le répète, c'est une... Une pitrerie. Oui, une pitrerie. Bravo. Bravo, bravo. Monsieur Montfleury est une autorité au théâtre. Une très grosse autorité. Une énorme autorité. Ah, ça oui. Nous sommes des pitres. 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 Pitrerie. Absolument. Pitrerie. Pitrerie. Nous sommes des pitres. Es-tu un pitre? Coréco, je suis un pitre. Pitrerie. Pitié. Pitrerie. C'est notre roi. Vive le roi. Le roi de la pitrerie. 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 Écoutez-moi. Je vous ordonne de m'écouter. Notre roi veut nous parler. Ah. Écoutons-le. Le roi va nous parler. Le roi va nous parler. Vous vouliez ajouter quelque chose, Majesté? Oh, ça oui. Je veux ajouter quelque chose. Un point final à cette... Pitrerie. Pitrerie. Assez, assez. Écoutez ça. Nous, pouvoirs publics de la ville de Paris, interdisons entre nos murs la représentation de la pièce du sieur de Molière intitulée Les précieuses ridicules, en considération de nombreuses plaintes reçues sur le caractère injurieux, diffamatoire et outrageux de la dite pièce. Ce jour du 16 novembre 1659. C'est une cabale. Il n'y a qu'une chose à faire. J'irai voir le roi demain. Alors, il l'a vu? Non. Le roi? Molière n'a pas vu le roi? Eh non, il n'a même pas été reçu. Approcher des grands n'est pas chose facile pour des petits saltimbanques comme nous. Mais il faut qu'il aille voir les autres. Il court depuis l'aube. Toutes les portes se sont fermées devant lui. Mais où est-il? Il ne faut pas qu'il se décourage. Tenez, Jean-Baptiste, Quentin. Il ne s'est pas découragé. Il est allé voir notre dernière chance. Notre protecteur, le duc d'Orléans, frère du roi. Une chance bien mince. Votre seigneurie sait bien qu'il s'agit d'une cabale de jaloux. Enfin, ma pièce n'est pas si outrageuse. Je n'ai dit que des vérités. Mais je le sais, mon bon Molière. Je sais que vous êtes un homme de grand talent. Mais qui puis-je? Qui puis-je? Vous nous avez honorés de votre protection. Ne nous abandonnez pas. Allez, saisissement, sautez, sautez, plus haut, là. Je sais, Molière. Mais qui puis-je? Vous les avez blessés. Majesté, le cerf est forcé. C'est la Lalie.
Oh, Lalalie, c'est Lalalie. Je sais, Molière, mais qui puis-je? C'est Lalalie, allez voir le roi. Et vous, occupez-vous de Sigismond. C'est Lalalie, Taillot, Taillot. C'est Lalalie, Taillot, Taillot. Ils se défilent tous, mais je la jouerai, mes pièces. Ah, si seulement je pouvais atteindre le roi. Mais je ne sais pas, Quentin. Comment veux-tu que je trouve un moyen d'atteindre le roi? Moi, un pauvre magicien qui vit dans une roulotte. Mais justement, Bonaventure, tu es un grand magicien. Et ta boule de cristal. Ma boule... Quelle boule? Mais la boule où on voit tout. Tu m'avais dit qu'elle était magique. Moi, j'ai dit ça. Il y a 20 ans que je ne m'en suis pas servi. Je ne sais même pas où elle est. Tiens, la voilà. Mais c'est que je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Allez, allez, pas de manière, monsieur le magicien. Il s'agit de sauver Molière. Au travail. Boule magique, montre-moi le roi de France. Boule magique, montre-moi... Oh, tu vois quelque chose? Oh, mais non, ces tresses, ces moustaches, ces Vercingétorix. Ah. Montre-moi le roi de France. Prends la barbe, je ne veux pas voir François Ier, je veux voir Louis XIV. Ah, enfin. C'est lui? C'est Louis XIV? Il a l'air bien triste, la pauvre Marie Mancini. Le roi a beau supplier sa mère et le cardinal, elle ne sera jamais sa femme. C'est un dur métier que d'être roi. Et Louis XIV est en train de l'apprendre, au dépens de son amour. Voilà, Marie Mancini part en exil. Et le roi n'a plus qu'à épouser l'infante d'Espagne. C'est ce qu'on appelle la raison d'État. Mais alors comment vais-je faire pour arriver à joindre le roi? Pour obtenir une entrevue avec le roi, il n'y a qu'une solution. Mais c'est de la folie. Mais tu sais bien que les folies ne m'ont jamais fait peur. Alors allons-y. À quoi penses-tu? Il faudrait que grâce à toi, le roi de France retrouve son amour. Marie Mancini, mais c'est impossible, elle est prisonnière. Il y a bien des années, un très grand magicien m'a offert des filtres magiques. Si ma mémoire est bonne, il y en avait un qui rendait invisible. Et tu ne m'en avais jamais parlé. Oh, tu sais, ces filtres sont très anciens. Ils sont peut-être éventés. Voyons, voyons. Filtre d'amour. Ah, voilà, filtre invisible. Dans 5 minutes, Marche Noire sera ici. Tu n'as pas une minute à perdre. Tiens, prends le filtre. Et attention, il suffit de le respirer une seule fois pour que cela marche. Et si tu me donnais le filtre d'amour, peut-être que le roi oublierait sa raison d'état. Chef, chef, ils veulent rendre le roi invisible. Comment? Un complot contre le roi? Dans la boule, j'ai vu tout ça. Raconte-moi tout ça, Bouillard. Cela est cruel, mon fils, mais il le fallait. Ce mariage avec l'infante d'Espagne fera de votre royaume le plus puissant du monde. Et tandis que Louis XIV partait pour son destin de grand monarque, Quentin allait peut-être lui offrir l'occasion de revoir une dernière fois Marie Mancini.
Police du cardinal, mission secrète. Nous avons ordre de prendre votre place. Regarde là-bas, Cachou. Ce ne sont pas nos amis de la police secrète? Eh bien, cette fois-ci, nous ne risquons rien. Nous avons le filtre qui rend invisible. Ah, pourvu qu'il marche encore. Bonaventure disait que c'était très ancien. C'est drôle, je te vois toujours. Oh, mais que je suis bête, c'est normal. On est invisible, mais on voit tout. Ce sont les autres qui nous voient pas. Ils vont en faire une tête. Un cheval qui rentre tout seul dans la ville. Eh bien, il ne manque pas de toupet, celui-là. S'il croit qu'il va nous amadouer avec son sourire, à moins que ce ne soit une ruse, faites semblant de pas le voir. Regarde, Cachou, ça marche. Il ne voit rien. Alors, ça ne voit rien. Tu te croyais peut-être invisible? Justement, oui, hélas. Inutile de faire l'idiot. On sait que tu veux empoisonner le roi. Attention, chef. C'est peut-être un livre empoisonné. Les précieuses ridicules. T'as raison, Pouillard. Cette pièce a déjà empoisonné tout Paris. Ah, cette fois, c'est les galères, mon petit gaillard. J'ai la preuve. Attention, c'est un filtre magique. Un filtre magique? C'est ça, du poison, oui. Lâchez cet enfant, bande de pleutres. Mais chef, c'est ce vaurien de Quentin qui veut s'enfuir. Vaurien? La prunelle de mes yeux. C'est ainsi qu'on ose appeler mon enfant adoré. Défends-toi, le chassieux. Chef. La saleté de vermine s'attaquer à un enfant. Oh. Tu vas voir. Chef. Oh, chef. Le filtre d'amour. Au moins, celui-là, il marche. Pitié, chef. Oh. Pitié. Et toi, Pouillard, montre-toi. Ne vous inquiétez pas, chef. Je veille sur votre enfant. Je ne sais pas lâcher, chef. Oh, qu'il est mignon, le crotin. Ne touche pas à mon enfant. Sac à puce. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mon fils adoré, tu es sain et sauf, tu n'as rien. Lâche-moi, marche noire. Mais qu'il est facétieux, ce petit singe. Soyez gentil tout de même. Et tous les deux. La pièce de Molière. Et tout de suite, mon fils, tout de suite. Allez, viens, Cachou. Nous devons aller chercher Marie Mancini. Et tu ne peux pas y aller seul, Quentin. Emmenez-moi. Tu es trop méchant. Mais non, les rues sont infestées de brigands, de coupe-jarrets. Je vais m'inquiéter. Bon, mais alors, tu es prêt à te battre? Contre les armées du roi, s'il le faut. Je suis Marche Noire. Nous voulons voir Marie Mancini. Personne ne doit approcher Mademoiselle Marie Mancini. Ordre du cardinal. Je n'obéis qu'à la prunelle de mes yeux. Pour mon fils adoré, j'enfoncerai des murailles. Oh. Cours, Quentin. À la gare. Cours, prunelle de mes yeux. Je m'en occupe. Trois. Vous n'êtes que trois. À la gare! C'est une armée qu'il me faut! Madame! Madame! Je suis venu vous délivrer. Me délivrer? Mais qui es-tu? Cela n'a pas d'importance. Je sais où est le roi. Le roi? Oui.
Vous allez pouvoir le rencontrer. Dépêchez-vous. La princesse va s'enfuir. Fuyez, je vous coupe. Adieu, Quentin. Prunelle de mes yeux, mon fils adoré. Adieu. Oh. Mais dis-moi, Quentin, tu n'as que faire de mon amour pour le roi. Pourquoi m'as-tu aidé? En effet, madame, j'ai une requête à vous présenter. Décidément, rien ne vous réjouit, Louis. Vous êtes le roi de France. Vous n'avez pas le droit au chagrin. Pensez à moi. Une mère n'aime pas voir son fils triste. Qui vous dit que je suis triste, madame? Pardonnez-moi. Me pardonnerez-vous ma désobéissance? Je vous envie, Marie. Quant à moi, je ne peux désobéir à mon destin. C'est à vous de me pardonner. Oh, sire! Oui, Marie, de vous faire souffrir. Sire, vous m'avez fait l'honneur de m'aimer. Et je vous aime toujours, Marie. Ce mariage avec l'infant d'Espagne est stupide. C'est vous que je veux épouser. Laissez-moi l'ultime honneur de renoncer à votre amour. J'avais une dernière grâce à vous demander. Qu'est-ce? Ah, les précieuses ridicules. Oui, il paraît qu'elles sont fort drôles. J'ai entendu parler de la cabale qui frappait Monsieur Molière. Dites-lui d'accommoder un peu son texte et nous l'autoriserons. Nous aimons qu'il y ait de grands hommes de théâtre comme ce Monsieur Molière. Nous voulons rire, nous aussi. Vous serez un grand roi, Majesté. Grâce à l'obstination et à la malice de Molière, ainsi peut-être qu'à l'esprit inventif de Quentin, les précieuses ridicules remaniées pour le contentement et le plaisir du roi purent reprendre. Le théâtre fit salle comble et ce fut le début de la gloire de Molière. Vraiment, je ne peux pas y croire, Quentin. Mais je vous jure, vous allez voir, il a respiré le filtre magique. Seigneur Lagrange? Oui? Regarde-moi un peu, sans rire. Oh, bravo! Bravo! Là, je vous aime! Excusez-nous, monsieur le chef de la police. Nous ne pouvions pas savoir. Pardonnez-nous. De quoi est-ce que vous parlez? Que s'est-il passé? Je ne sais rien. Monsieur Marchenoir, je tenais à vous remercier. Vous êtes un gentilhomme. Cloîtrée à Brouage, près de La Rochelle, Marie Mancini ne devait plus jamais revoir le roi. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est en enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. A pris la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravo.
grandissimo, Molièreissimo.